Bienvenue dans l'univers particulièrement poétique de Marie Beltrami, cette créatrice touche-à-tout, transforme et sublime toutes les choses qui retiennent son attention à condition que cela l'amuse. Cette fée de l'accessoire et du bijou a un joli parcours, femme atypique et reconnaissable d'abord à sa fantaisie et à son audace. On m'a dit que je ressemblais à... ça faisait un peu égyptien, c'est vrai. C'est une bague, en fait, je l'ai mise en couronne, en diadème, voilà. Pardon. En diadème. Ouais, et ben, je vais la refaire aussi comme ça, parce qu'elle a beaucoup de succès, en fait. Bijoux de tête, chapeau ou sac à main, rien n'échappe à sa créativité et au fond, tout a un sens et une utilité. Quand je suis arrivée à Paris, je suis arrivée avec la fille de Niki de Saint-Phal, que j'avais rencontrée sur un tournage. Il tournait Lancelot du Lac avec Robert Bresson. Donc j'ai rencontré toute une équipe de sublimes chevaliers qui faisaient jouer à Saint-Laurent. Donc j'ai rencontré, elle s'appelait Laura. Donc je suis arrivée à Paris, j'ai rencontré Niki, Jean Tinguely, la princesse de Grèce. Et j'ai commencé à faire de la couture un peu pour Marina et Niki. J'en faisais des chemises de nuit. Bon, je m'étais improvisée couturière, je passais beaucoup de temps à défaire. Mais bon, c'est comme ça que j'ai appris à faire des trucs. C'était bien, puis j'aimais bien ça. Ensuite, j'ai rencontré tous ces autres gens à Paris, les Gasolines, Philippe Morillon, enfin, toute la clique là, des années 80. Paquita, Marie-France. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire des costumes. J'ai fait un peu des costumes, déjà pour des copines, pour des théâtres, pour David Rocheline, pour Gérard Garousse, pour Paloma Picasso, qui faisait des pièces de théâtre avec son mari. Et j'ai commencé aussi à faire des accessoires, des sacs. J'ai commencé à faire... j'ai fait le homard, là, j'ai fait le crabe, le homard en fluo. Je suis allée en Italie. Je suis revenue avec 40 000, 10 000 roses, 10 000 verres, 10 000 crabes. J'ai tout ramené avec moi. J'avais des tonnes de petits... Mais ça coûtait pas cher, donc fallait en faire 10 000 pour avoir ma couleur. Donc j'ai fait 10 000, on en a fait 10 000 par couleur. Donc je suis arrivée à Paris, j'ai fait mes langoustes, j'ai fait des broches. Donc ça marchait très bien. Après il y a le sac ticket de métro, le sac en tapis de voiture, j'ai fait le sac en fer de GS. Enfin tout était bon pour moi pour faire quelque chose qui ne ressemblait pas aux autres. À l'origine de cheveux roses, elle est venue le jour où j'ai fait un film avec Ariel Dombal pour le loto, Oui, le loto. Et j'avais habillé les filles autour d'elle avec une perruque rose qui est là. Oui. Que tu as vue. Et donc j'ai mis la perruque. Je suis allée au BHV. Et comme j'ai vu le regard des gens, ça les rendait de tellement bonne humeur. Jamais les gens me regardaient avec du sourire en me disant « Mais qu'est-ce que c'est beau vos cheveux !» J'avais jamais vu ça. J'avais jamais vu un tel enthousiasme pour des cheveux roses. Après, je suis allée voir une amie à moi qui s'appelle l'Atelier des couleurs et qui m'a fait ma couleur. Je lui ai dit « Maintenant, je veux mes cheveux roses. Je ne veux plus de perruque, je veux les vrais. » Alors, ça a pris beaucoup de temps avant de trouver la bonne couleur. De trouver la bonne dose, oui. Et puis voilà, donc ça fait moi 6 ans maintenant. Les souris, elles sont nées. En fait, j'étais un jour chez mon copain Alexis Mabi et il y avait un chat qui jouait avec une souris en mousse. En voyant le chat jouer avec cette souris, je me suis dit, déjà, je vais faire un bijou souris. Voilà, c'est parti comme ça. J'ai piqué la souris du chat. Je l'ai redessinée parce qu'elle était un peu mordue. Elle était grosse. Elle n'était pas très jolie, mais c'est une souris. Donc voilà, je l'ai redessinée. J'ai été voir les gens qui fabriquent ça et on les a fait. Poétique, romantique ou même érotique, son imaginaire l'a même conduit à dessiner quelques meubles. Et ça pourrait donner quelques idées à certains hôteliers. J'ai fait un dessin, j'ai fait pas mal de petits dessins érotiques il y a quelques années et j'ai rencontré un monsieur qui a une société qui fait tous les meubles, qui d'ailleurs a reproduit les meubles érotiques de la Grande Catherine. Quand je l'ai rencontré, je lui ai dit, vous ne voulez pas qu'on fasse ce lit là? Et en fait, il m'a dit, oui, on le fait. Donc je suis allée là-bas dans son usine. Et quand même, les ouvriers, ils étaient très contents de faire ça parce que ça leur changeait que de faire des trucs un peu Louis XIV, Louis XVI ou des trucs un peu rigoureux. Et donc ça, il y avait tous les gens venaient de l'usine, venaient voir la sculpture.
Mais quand je suis arrivée, que j'ai vu, c'était presque fini comme ça, j'ai trouvé que c'était... Oh, j'étais vraiment impressionnée par leur travail. Qu'ils avaient bien reproduit les formes et les courbes et tout, ouais. Souris, étoile, tout l'inspire, le secret ? Ça vient des étoiles. J'ai toujours été attirée de toute façon par l'espace, par l'inconnu, par les choses qui se passent qu'on ne connaît pas ou qu'on ne sait pas ou qu'on découvre petit à petit. Moi, je suis fascinée, je regarde toujours ça à la télévision, les histoires, les étoiles. On vient des étoiles, hein. Nous sommes des poussières d'étoiles. Ils ont attrapé dans l'espace des petites poussières. Il y a exactement les mêmes acides aminés que nous. Ah bon? Ouais. Donc si on perd pied, là, c'est pas grave. Exactement. On sera lumineuse. On sera lumineuse. Non, mais donc, je sais pas, je crois que j'ai toujours été un peu comme ça. J'ai toujours écrit des petits. D'abord, j'écris des poèmes. J'ai toujours été un peu à part des autres. Mais je fais. Il faut avoir un peu d'audace. De toute façon, moi, je trouve qu'il faut avoir de l'audace dans la vie. Sinon, on ne peut pas exister, quoi. La dernière création. Un sac avec une poche spéciale smartphone pour s'en servir sans le sortir devant tout le monde. Bien pour les addicts bien élevés. Et trouvaille des trouvailles, une discrète installation pour mettre en valeur ses boucles d'oreilles. Craquant, non ?